Le cercle est probablement une des formes les plus importantes de notre univers. C'est vraiment une forme qu'on retrouve partout. Si on regarde une planète, on voit cette forme de circulaire. On voit aussi cette forme dans l'orbite des planètes. C'est la forme d'une roue aussi. On retrouve même des formes circulaires au niveau des molécules. Donc c'est vraiment une forme fondamentale de notre univers. Et voilà, c'est une raison suffisante pour avoir envie d'en connaître les propriétés. Alors. La première propriété qu'on peut mettre en avant, par exemple si on regarde la Lune, on voit une forme, on voit un cercle, une forme circulaire. Et euh, la première chose qu'on peut se dire, c'est qu'un cercle, ce sont des points qui sont tous situés à égale distance d'un point donné qu'on appelle, qu appelle le centre. Voilà, le cercle, c'est ça, c'est l'ensemble de tous les points euh, qui sont situés à égale distance du centre. Alors, bon, qu'est-ce que c'est que cette distance Une première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette distance-là, ici Alors, cette distance... Par exemple, celle-là, ben on l'appelle le rayon. On l'appelle le rayon. C'est un rayon. Alors, si, ça, c est, c est, si cette distance ici que j'ai tracée, ce rayon-là, mesure 3 cm, alors le rayon qui est là, que je peux dessiner, un rayon que je peux dessiner ici, il mesure aussi 3 cm. Si j'en dessine un autre là, par exemple, il mesurera aussi 3 cm. Voilà, tout ça ce sont des rayons. C'est exactement comme les rayons d'une roue de vélo. Hein. Quand on regarde une roue de vélo, les rayons ont tous la même taille. Et c'est exactement la distance du cercle qui constitue la roue au centre qui constitue le, le moyeu de la roue. Voilà. Alors voilà, ça c'est vraiment la première propriété. Hein. Le cercle, c'est donc l'ensemble des points qui sont situés à égale distance du rayon, du centre, pardon. Et cette distance-là, qui va de, du cercle au centre du cercle, ça s'appelle le rayon. Et il y en a, on peut en tracer une infinité. Voilà. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est de, de quelle taille est ce cercle Quelle est la taille de ce cercle Combien grand il est en fait Alors une autre façon de poser cette question-là, c'est de se demander quelle est la plus grande distance qu'il peut y avoir entre deux points de ce cercle. Alors par exemple, la plus grande distance qu'il peut y avoir entre deux points de ce cercle, ça ne sera pas celle-là, par exemple. Ça, ce n'est pas la plus grande distance. La plus grande distance, on va la retrouver quand on, on, quand on est ici, par exemple, quand on fait cette distance-là. Donc en fait, la plus grande distance qu'il peut, qu peut y avoir entre deux points de ce cercle, c'est un segment qui va passer par le centre du cercle. Et voilà, ça par exemple, c'est un représentant de cette plus grande distance. Et cette distance-là, on l'appelle le diamètre. Le diamètre. Et c'est comme pour le rayon, on pourrait tracer des diamètres, plusieurs diamètres en fait. On pourrait en tracer un autre ici par exemple. Voilà, je pourrais tracer un diamètre comme ça. Ça, ça c'est un diamètre aussi que j'ai tracé en jaune, c'est juste un point qui c'est juste un segment de droite qui joint un point du cercle à un autre point du cercle et qui passe par le centre du cercle qui est ici. Alors, on peut remarquer facilement qu'il y a une relation très simple entre le diamètre et le rayon puisque ici ça cette distance-là c'est un rayon et cette distance-là, c'est un rayon aussi. Donc en fait, le diamètre eh bien, c'est tout simplement deux fois le rayon. Deux fois le rayon. Le diamètre, c'est deux fois le rayon. Voilà. Alors, il y a une autre chose qu'on peut se demander, c'est quelle est la distance que je ferais si je parcourais le tour du cercle, si je faisais le tour du cercle, comme ça. Si je faisais ce tour-là, que je trace maintenant en bleu, quelle distance j'aurais fait En fait, c'est en quelque sorte le périmètre du cercle. Hein. Mais bon, ce périmètre, dans le cas du cercle, on l'appelle la circonférence. La circonférence. Voilà, donc c'est la distance qu'on mesurerait si on faisait le tour complètement du cercle, un tour complet du cercle. Alors, voilà, on a vu qu'il y avait une relation simple entre le diamètre et le rayon, est-ce qu'il y a une relation entre la circonférence et le rayon alors ça, c'est une question que l'homme a dû se poser depuis très longtemps, puisque déjà il y a 5000 ans, à peu près environ 5000 ans, dans toutes les grandes civilisations, les Égyptiens, les Chinois, les Indiens, tout le monde s'est à peu près demandé quelle était la relation entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Alors on va se mettre un petit peu dans la peau de, de ces, de ces en, savants de ces anciens temps, et on va se donner un cercle ici, voilà, un cercle, et on va mesurer son diamètre. Je dessine ici. Alors, on va, on va dire que quand on mesure la circonférence de ce cercle-là que j'ai dessiné ici, on a trouvé 3 à peu près. À peu près 3 avec une précision assez faible. Et puis, on, quand on mesure le diamètre D, eh bien on trouve ici, dans ce cas-là, à peu près 1. À peu près 1. Voilà. Et puis, on peut imaginer qu'on on a fait la même mesure avec un autre cercle. Alors, je vais dessiner ici un autre cercle, un plus grand. Voilà. Et euh, je vais tracer son diamètre. Et puis maintenant, on va imaginer qu'on a mesuré la circonférence de ce cercle-ci et qu'on a trouvé à peu près, comme valeur pour cette circonférence, une, une longueur de 6. Voilà. Et puis quand on mesure le diamètre ici, eh bien, on trouve, dans ce cas-là, que c'est à peu près 2. Alors bon, avec des unités de longueur, hein, mais ce n'est pas très important pour, pour nous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que en fait, quand on regarde le rapport entre la circonférence et le diamètre, le rapport de la circonférence au diamètre, et eh bien, dans ce cas-là, on trouve que ça, ça fait 3 sur 1 à peu près. Donc le rapport de la circonférence divisé par le diamètre, hein, le rapport de la circonférence au diamètre, c'est la circonférence divisée par le diamètre, eh bien, dans ce cas-là, c'est à peu près 3. Et puis, dans ce cas-là, c'est... 6, à peu près 6 divisé par 2, c'est-à-dire à peu près 3 aussi. Voilà. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que ce qui est intéressant à regarder, c'est le rapport entre la circonférence et le diamètre. Le rapport de la circonférence au diamètre. De la circonférence au diamètre. Voilà. Alors ça, c'est effectivement ce qu'ont fait les peuples anciens. Ils se sont tous demandé quel était le rapport entre la de la circonférence au diamètre. C'est une autre manière de se poser la question de la relation qui existe entre la, la circonférence et le diamètre. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fait deux exemples comme ça, on voit que ce rapport de la circonférence au diamètre, dans les deux cas, il était, il était à peu près égal. Enfin, on, il, est, il a la même valeur. Alors... Après, on peut se demander, on peut se poser cette question et vouloir la vérifier en faisant des mesures un peu plus précises. Cette fois-ci, on va dire qu'on qu connaît précisément la longueur du, du diamètre et que cette longueur, c'est 1. Alors, quand on va ensuite mesurer la circonférence, cette fois-ci, on va le mesurer un peu plus précisément que tout à l'heure et on va obtenir qu'en fait, c'est 3,1. 3,1. Ça, on pourrait le refaire. On pourrait le faire avec plus de précision, c'est-à-dire prendre. Un cercle de diamètre 1 mesurait sa circonférence avec plus de précision, et plus on mesurerait précisément, plus on se rapprocherait d'un nombre qui aurait cette valeur-là, 3,14159, et ainsi de suite, avec des décimales de plus en plus précises, si on avait une mesure de plus en plus précise. Alors ça, c'est ce qu'on trouverait en prenant un cercle de rayon 1, de diamètre 1, pardon. Mais si on, trouvait, si on faisait les mêmes mesures avec un cercle de diamètre 2, par exemple, eh bien, le rapport de la circonférence au diamètre, ça serait toujours ce nombre-là, selon la précision qu'on qu pourrait mesurer. Et voilà. Ce qui est important, c'est que le rapport de la circonférence au diamètre dans n'importe quel cercle, eh bien, c'est ce nombre-là, ici. 3,14159. Et ce nombre-là, on, euh, on, on ne le connaît pas complètement, puisqu'on pourrait toujours aller calculer des décimales un peu plus précises que celles qu'on a ici. Alors, ce nombre, on, a, on a pris l'habitude de le nommer π. Alors, ça, c'est une lettre grecque qui se lit π. Voilà. Et c'est en fait, en grec, c'est l'initiale du mot périmètre. Ça, ça vient de là. C est, c est comme c'est euh, la circonférence d'un cercle de diamètre 1, eh bien on l'a nommé avec cette première lettre du mot périmètre puisque la circonférence c'est le périmètre d'un cercle. Voilà. Alors ce qui est très important c'est que cette valeur là c'est donc le rapport de la circonférence au diamètre dans n'importe quel cercle. Et puis ce qui est important aussi, c'est que c'est un nombre qu'on ne peut pas connaître précisément, puisqu'il a des décimales qui, ne, qui, qui continuent et qui ne se répètent jamais. Son développement décimal n'est pas périodique. On a toujours des décimales qui sont imprévisibles. Et d'ailleurs, il y a des mathématiciens dont le métier est de calculer des, des décimales du nombre π. Et aujourd'hui, on connaît... Euh, 1 milliard ou 2 milliards, je ne sais plus exactement, enfin on connaît un nombre énorme de décimales de ce nombre π, mais on, on ne connaît pas le nombre π précisément, c'est pour ça qu'on l'indique par cette lettre π. Voilà, par cette lettre grecque π. Alors c'est un nombre qui est donc un peu caché à nos yeux, mais qui en plus euh, intervient dans de, dans de très nombreux cas, puisque euh, il on le trouve en fait dès qu'il y a une forme circulaire. Voilà, donc ce nombre π c'est quand même un nombre assez fascinant. Alors je vais réécrire ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis on va, déduire, on, on va en déduire une formule. On a dit que la circonférence, le rapport de la circonférence au diamètre, c'est-à-dire la circonférence divisée par le diamètre, c'est égal à ce nombre-là, π. Donc là j'ai écrit π, hein, j'ai écrit son nom, euh, le nom qu'on lui a donné. J'aurais pu écrire 3,14159 et continuer, mais euh, bon, ça aurait été un peu une perte de temps parce que je ne sais pas jusqu'où j'aurais continué, en plus ça aurait beaucoup de place, donc c'est pas très pratique. Là, effectivement, c'est beaucoup plus pratique puisque je, je donne, j'écris je, le nom de ce nombre, le nom qu'on a donné à ce nombre, mais ça revient au même qu'écrire ce nombre-là, sauf que c'est plus pratique. Alors maintenant, une fois que j'ai écrit ça, bah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je peux en déduire une formule qui va me donner la circonférence. Eh bien, la circonférence que j'appelle ici C, ça va être égal à pi fois le diamètre. Voilà. Ou alors, comme le diamètre, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Finalement, on peut écrire que c'est la circonférence, c'est pi fois 2 rayons, rayons. Ou alors ça, alors cette formule-là, on l'écrit le plus souvent, on la trouve écrite comme ça, parce que c'est un peu plus joli. 2pi r. Donc la circonférence, c'est 2pi fois le rayon. C égale 2pi r. Voilà. Alors je vais... Euh, Faire un petit peu de place, puis on va faire un exemple. Voilà. On va faire un petit exercice d'application de cette formule. Alors là, par exemple, je vais dessiner un cercle. Voilà. Je dessine un cercle, et puis on va dire que son rayon ici, c'est 3 mètres. Alors le rayon que j'ai dessiné ici, c'est 3. Bon, 3 mètres, hein, on va dire. Le rayon, c'est 3 mètres. Bon, il faut des, des unités de mesure, hein. c'est pour ça que je dis que c'est des mètres, ça pourrait être autre chose. Alors, maintenant, si je veux cal calculer la circonférence, bah, je vais appliquer la formule que j'ai donnée ici, là. La circonférence, c'est 2pi fois le rayon. Donc, je vais écrire comme ça. La circonférence, c'est 2pi fois le rayon, le rayon qui est 3, 3 mètres. Et là, comme l'ordre ne compte pas dans la multiplication, là c'est 2 fois pi fois 3, donc je peux faire 2 fois 3 fois pi, c'est-à-dire que ça fait 6 pi, et ce sont des mètres. 6 pi mètres. Alors là c'est une réponse tout à fait exacte que je donne, hein, parce qu'ici, rappelle-toi, ce que j'ai appelé pi ici c'est un nombre, hein, c'est le nombre 3,14,15,9 et ainsi de suite. Donc là, je donne une réponse en, en termes de ce nombre-là, de ce nombre pi. Je pourrais faire le calcul, hein, je pourrais très bien faire le calcul en prenant une valeur approchée par exemple. Bon, là, je n'ai pas de calculatrice ici, mais si je faisais le calcul, ça serait donc 6 fois ce nombre-là, 3,14, donc à peu près 18, 18 quelque chose. Ça serait du coup ça, 18, z, quelque chose. Voilà. Donc on pourrait très bien le faire. Maintenant quand j'écris la réponse de cette manière-là, ben finalement je ne donne pas une valeur approchée alors que si j'avais fait le calcul, j'aurais été obligé à un moment donné d'arrêter d'écrire des décimales donc j'aurais donné une valeur approchée. Alors, maintenant on peut se demander aussi combien mesure le rayon, le diamètre pardon. Alors le diamètre eh ben, le diamètre c'est tout simplement c'est le double, c'est le double du rayon, je vais le dessiner en vert là. Hein. Donc le diamètre c'est le double, c'est deux fois le rayon. Donc bah, ici, puisque le rayon c'est 3, le diamètre c'est 6. 6 mètres. Du coup, on avait la circonférence c'était 2pi fois le rayon, c'était 6pi. Donc la, la circonférence ici, on pourrait l'exprimer comme le diamètre fois pi, c'est-à-dire 6pi, encore une fois. Voilà. Donc là, le, le cercle qu'on avait dessiné ici, son rayon c'est 3 mètres, sa circonférence c'est 6pi et son diamètre c'est 6 mètres. Voilà. Alors maintenant, on va prendre les choses à l'envers. On va dessiner un autre cercle. Voilà, je vais dessiner un autre cercle ici. Et cette fois-ci, on va se dire qu'on connaît sa circonférence. Ici, la circonférence, c'est, disons, 10 mètres. Voilà. Et si quelqu'un nous demande de quel est le diamètre de ce cercle, trouvez donc le diamètre, et eh bien là, on va encore une fois pouvoir appliquer la formule, puisqu'on sait que la circonférence c'est 10 mètres, et on sait aussi que la circonférence c'est π fois le diamètre. Donc on sait que finalement que π fois le diamètre, c'est égal à 10 mètres. Pi, c'est un nombre, hein. il faut se rappeler de ça. Pi, c'est un nombre, ça vaut 3,14, 15, 9, et ainsi de suite. C'est quand même un nombre. Donc, il suffit qu'on divise par Pi des deux côtés pour trouver le diamètre. Donc, on va trouver finalement que D, c'est 10 divisé par Pi mètres. Et là, comme tout à l'heure, on pourrait faire le calcul. Ce serait à peu près 10 divisé par 3, donc à peu près ce serait 3, quelque chose. Et bon, je n'ai pas de calculette, mais, mais on pourrait le faire avec la calculatrice. On aurait une valeur approchée du diamètre, euh, qui dépend, dont la précision dépendrait de, de la précision qu'on a donnée pour π. Mais là, on, on peut très bien laisser le résultat sous cette forme-là, puisque 10 divisé par π, ben, c'est un nombre dont on peut calculer une valeur approchée. Mais c'est un nombre, donc on peut le laisser comme ça. Alors on peut aussi se demander quel est le rayon du coup de ce cercle. Alors le diamètre, c'est tout ça. Hein. Le diamètre, c'est tout ça, et en fait le diamètre c'est deux fois le rayon. Donc le rayon, c'est cette distance-là, ici. Alors maintenant, si je veux du coup trouver le rayon, bah, je vais simplement partir du fait que eh, le rayon c'est la moitié, c'est 1 demi de D. Donc comme je sais que D, le diamètre c'est 10 sur pi, finalement le rayon ça va être 1 demi fois, bon je vais le créer en dessous, parce que donc, le rayon, ça va être 1 demi fois 10 sur pi. Et puis ici je peux simplifier 10 c'est 2 fois 5, donc je peux simplifier par 2, je vais avoir ici un 5. Donc finalement je trouve que r c'est 5 sur pi. Voilà. Alors 5 sur pi, comme tout à l'heure, je peux tout à fait calculer la valeur hein, en utilisant une approximation de pi, en disant que pi c'est 3,14159 par exemple. et bien, je peux calculer 5 divisé par 3,14159, ça sera une valeur approchée de 5 sur pi. Donc, ça sera une valeur approchée du rayon. Si je le laisse comme ça, en utilisant le nom de, du nombre pi, eh bien, je, je garde une valeur exacte. Voilà, il n'y a rien de particulièrement de compliqué là-dedans, en fait je crois que ce qui, ce qui dérange la plupart des gens, c'est que euh, on, a, on écrit pi avec cette lettre-là, euh, euh, cette lettre grecque ici, et quand on écrit ça, en fait, on parle tout simplement d'un nombre, hein, c'est le nombre... 3,14,15,9 et ainsi de suite. C'est un nombre dont on ne peut pas connaître toutes les décimales. D'ailleurs, il y a des livres. On pourrait écrire des livres entiers. Il y en a des livres sur le nombre pi. Les, le, les décimales du nombre pi pourraient remplir des livres entiers. On n'aurait toujours pas fini de les, de les énoncer toutes. Et en fait, voilà, la chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand on écrit pi, c'est uniquement on écrit ce nombre-là. Euh, parce qu'on ne peut pas l'écrire en entier, donc on l'écrit avec son nom, on l'écrit en, en écrivant son nom, mais quand ensuite il faut calculer une valeur, ben, on, il suffit de prendre une valeur approchée de ce nombre pi, là, plus, souvent, on, plus souvent on prend 3,14 ou 3,1416, voilà, on prend une valeur approchée de ce nombre pi, et ensuite on peut calculer une valeur approchée de la circonférence, du rayon ou du diamètre, comme on l'a fait ici. C'est vraiment ça qui est important à comprendre, on utilise la lettre π. La lettre grecque pi pour représenter un nombre 3,14159 et ainsi de suite.